Islam en Occident. La charte républicaine pour un islam en Occident. Le projet, les idées et la feuille de route. Attention, nous parlons de l'islam violent, politique, pas de ton islam caché dans ton cœur. Nous parlons de l'idéologie de l'islam terroriste, guerrier, et non pas des individus musulmans innocents dont une partie est manipulée dans les guerres de pouvoir financier et pétrodollar. Mieux connaître l'islam pour mieux gouverner, pour que les musulmans s'adaptent aux lois républicaines, laïques et démocratiques. Les musulmans et non-musulmans ne connaissent pas bien l'islam d'origine. Ils confondent la croyance en Dieu avec la croyance religieuse, l'islam. L'islam ne pourra jamais abandonner la violence, la terreur et la politisation des pays, sauf s'il annule et abandonne les versets violents et guerriers qui existent dans le Coran.